Message de FunFan 1992, le son du jeu est trop fort. Il faut peut-être que j'ouvre le micro, ça peut aider. Je suis un idiot. On la recommence. Bonsoir à toutes et toutes. J'espère que vous allez bien. On se fait du coup du hérétique. J'espère que je vais y arriver à force. Donc, on devrait aborder le chapitre 2. Donc, si je retourne à la fin. Oh. Honnêtement, j'aurais pas cru. Merci à Eurostar, c'est adorable de me refaire un relais de chaîne. Message de FunFan 1992. Bonsoir et bienvenue à la communauté de @Eurostar. Alors, du coup, bonsoir petit Seb et bienvenue. Merci tout plein, c'est adorable. Enfin, rien n'obligé que voilà de se rendre l'appareil. Mais bref, du coup, j'avais plaisir à voir le spectacle. Merci à Aeroster de Castlevania. Et puis du coup, bah voilà, une fois que tu avais fini ton direct, j'ai dit tiens, je vais me lancer dans le deuxième chapitre de Hérétique. Voilà. Bonsoir Récif. Bon bah j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravi de vous accueillir. Salut. Ah, Olive qui tue, t'es revenu du boulot. J'espère que ça s'est bien passé. Tu vas me dire que t'es éreinté, voilà, que t'es bien heureuse. Et c'est un relais de chaîne. Merci. J'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Bienvenue. Merci tout plein. Alors, Hérétique, on incarne un elfe qui, en fait, part en quête dans son univers de chasser les démons là, qui viennent des enfers et de faire la peau de l'antagoniste qui est en fait un grand démon qui chevauche un serpent. Enfin bref, il y a un côté un peu mythologique. Et j'ai fini le premier chapitre précédemment. Donc, le grand final du premier chapitre, c'est qu'on trouve la gueule des enfers, la porte de l'enfer. Et le problème, c'est que notre cher héros, elfe, pour sceller ce portail des enfers dans son monde, il doit aller dans les enfers pour le fermer de l'intérieur. Et ça va être le chapitre 2 que je vais vous faire vivre maintenant. Donc, hop, voilà la gueule. Des enfers et en difficulté moyenne. C'est parti. Ah, génial. J'ai l'interface qui a sauté. Attendez, ça doit être un bug. Les bugs, ça va. Attendez, je recommence. Ça mange pas de pain. On va dire que j'ai eu un faux départ. Oui, aventure. Je vais sauvegarder là. Oula, il y a déjà des gargouilles qui nous accueillent. Alors je découvre totalement le jeu, hein. C'est un grand classique FPS des années 90, mais je ne connais pas du tout, j'ai jamais joué. Et je démarre très mal puisque j'esquive même pas les boules de feu des gargouilles.
ça craint du boudin, là. Je suis déjà à poil en warm. Elles sont nombreuses, les guillemets. Ah! Un peu de calme. Ouf, rien que ça, déjà, je peux sauvegarder. Alors, que je vous lise. Vous pouvez rentrer il n'y a pas très longtemps, d'accord. Tac, 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 tac. Bonsoir, Frobose! J'espère que tu vas bien. Enfin, bonsoir, Tunsen. C'est vrai qu'on s'était vu ce matin. Alors, tac, tac, tac. Nous sommes donc arrivés dans les enfers. On le voit, le ciel est rouge. Ok, il y a moyen d'aller là. Il y a déjà une gargouille qui m'appelle. Oui, moi ça va, mon cher Frobose. Merci tout plein. Voilà, donc on va se faire un petit peu d'hérétique jusqu'à presque 21h. Et puis après, épisode commenté du samedi soir chez les Mufon Fan. Ah, l'arbalète. Attendez voir. Ça, c'est pour verrouiller la porte, forcément. Donc, j'essaie d'ouvrir grand les yeux par rapport au passage secret. Hop, hop, hop! C'est quoi cette horreur? C'est un nouvel ennemi. Oh là là! Heureusement qu'ils ont pas franchi la porte des enfers, eux. Qu'est-ce que c'est que ces horreurs? Ah, ça va me déboîter grave! Waouh! La difficulté monte d'un cran, là. Popopo, je vais déjà courir après les fioles pour ma survie. J'ose même pas sauvegarder parce que je trouve que j'ai été brouillon, je me suis laissé surprendre. C'est un nouveau bestiaire. Oula. Mais c'est l'entre deux. Putain, ils sont combien? Ah oui, pour ceux qui aiment tout ce qui est mosaïque, pixelisé. Tac, 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 tac. Merde, je crois que c'est un ennemi, en fait c'est un objet. Il faut que je trouve des sacoches pour pouvoir avoir davantage de munitions sur moi. Alors si la lave, j'ai aucun intérêt à descendre là-dedans. Waouh, il doit y avoir un secret dans le coin. Ne me dis pas qu'il faille que je doive descendre dans le... Si je vois un truc. Mais je suis mort. Si on voit qu'il y a un truc derrière, mais je suis mort. Tu parles de magma brûlant, laisse tomber. Non, pas cette game. Hérésie. Merde, Home. Ouais, non, il faut vraiment que j'ai le... J'ai l'arbalète. Alors... Jette un coup d'œil sur le chat que je vous loupe pas. J'ai pas joué à cet épisode, vu que j'avais que la démo. Ouais, d'accord, oui, quelques années, ouais, ouais. Hop, hop, hop. Putain, la vache. Ah non, mais ils sont balèzes.
D'ailleurs, faut que je m'annonce tout doucement parce que s'ils arrivent tous en même temps, je suis foutu. Je trouve que je fais un mauvais usage de mes munitions là. Putain, je suis tout simplement. Hop, 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 ça craint. Ah, attends, je vais chercher les fioles en extérieur, mais... Non, c'est même pas les fioles, là, c'est des munitions. C'est même pas la santé. Ah, des munitions cristal, oui, c'est peut-être ce que je venais de ramasser. Merci de me l'avoir signalé. C'est bien, vous avez le coup d'œil par rapport à moi. Attendez, on va retourner dans la grotte, là. Je sens que je vais en baver. Hein. Je pense très honnêtement que l'épisode 1, enfin le chapitre 1 était un échauffement. Et là, ça va être autre chose. Niveau gestion vie, ça va être chaud chaud chaud. Ouais, même le son est pixelisé. C'est vrai. Parer leurs attaques à eux. Bon, ils crachent dessus. J'entends qu'il y a un... Oh, et en plus il a la... la suicide apparemment. Oui, 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 oui. Watch. Je l'ai mal géré. Oh dur. Oui, d'ailleurs, vous saurez que j'ai pas repris Tomb Raider 3, je pensais le reprendre maintenant, mais en fait, je suis coincé dans mon niveau. Donc je vais essayer de me débloquer hors antenne, sans tricher, sans regarder. Et puis quand j'aurai trouvé le... ce qu'il manque de faire dans le niveau de l'Arctique, ça reprendra avec vous. Lolololololol, j'avais pas vu que j'en avais un dans le dos. Oh. Alors, où qu'ils sont? Bougie visée, comment faire? Attendez, ils sont où là? Ah, là, là, là. Oh la vache! Il a tiré le monde du monde. Ouah ! Il en reste un, je crois. Le compte n'y est pas. Si ? Attendez, je suis pas sûr. Hmm. Ouais, ouais, non, mais la gestion de la vie, c'est un cauchemar. Là, je me dis, il faut que je trouve. C'est pas ça choquerait, ça, non ? Oh, avec le jeu d'ombre et lumière, j'ai cru que c'était un passage. Ah! Dis-moi que j'ai trouvé de la vie là-dedans. Oh! Je trouve plein de bonnes choses. Les gants du nécrom ancien, c'est bon ça. Ah! De l'armure. Je me sens déjà mieux. Ah. Oh, parenthèse Tomb Raider, je vous en ai pas parlé. Alors, je remercie Twinsen
qui m'avait trouvé deux sites. J'avais demandé si ça se trouvait pas en fait à télécharger une image ISO, c'est-à-dire l'image d'un CD-ROM qui contient plein de niveaux faits via l'éditeur de niveaux par les fans. Et il reste plus beaucoup de sites, j'en ai écumé un ces 15 derniers jours. Et je me suis trouvé 230 niveaux et une quarantaine d'aventures. Donc une aventure, c'est une succession de niveaux. Et je m'en suis fait un CD-ROM du coup. Je me suis conçu une image ISO. Donc merci Twinsen pour les liens. Et c'est bien. Message de FunFan 1992, sauvegarde. J'ai pas sauvegardé, mais t'as raison, tu fais bien. Ça fait plein de niveaux bonus à faire plus tard. Je les ferai volontiers sur mon antenne avec plaisir, quoi. Alors il faudra s'attendre à tout, hein, du bon comme du mauvais. Hein. Mais j'ai tout pris. Comme ça. Attends, mais je trouve ballot quand même le coup de devoir aller dans le. Dans les cendres. Dans les items. Là je peux voler, mais. Ouais, bon bah. Merdoum. Ah, téléporteur. Oh. Ah oui, mais attends, j'ai loupé la clé. Mais non, mais c'est nul. La clé, je l'avais vue. Je l'ai loupée. Ça va pas, cette histoire. En fait, je sais pas faire usage du pouvoir du... Bah, j'ai vu la clé, non ? Ah, elle est là. Donc voilà, j'arrive là. Mais il n'y a pas un passage secret. En extérieur, il doit y avoir un truc, non? C'est bizarre, il n'y a rien qui m'indique un mur qui coulisse ou je sais pas quoi. Bref, pour ceux qui veulent savoir, Tomb Raider, j'en suis au 3 actuellement. J'arrive sur la fin et je suis bloqué en Antarctique. Hors antenne, quand j'aurai trouvé mon chemin, la suite, je vous ferai ça avec plaisir. Mais c'est limité le pouvoir du vol. Parce que là, je me prends pour une gargouille, c'est rigolo. Ah, ça va sauter, truc. Ah, ça a sauté dans la lave. Le truc à pas faire. Voilà, nouvelle arme, je suis pas bon. Oh la vache. Ah, soupir de désolation. Tac, 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 tac. Oui, d'ailleurs, Aeroster, bon, je sais que tu te restaures là, t'as bien raison avant de reprendre ton direct. Oui, bah oui, tu te poses en l'heure, je comprends bien. Mais n'hésite pas, moi je t'autorise évidemment à le faire sur mon antenne parce que ça ne me dérange en rien. Pour ceux qui sont intéressés par ton programme, n'hésite pas à annoncer que tu vas reprendre ton antenne. Oui, ben voilà. Voilà, moi ça me dérange pas, tu sais que je mets en lumière tout le monde. Chacun fait ce qu'il veut, et c'est qu'ils soient intéressés par les programmes de chacun, voilà, qu'ils puissent choisir. Avec un astérix, FunFan. Pas avec un point d'exclamation. Astérix chez moi, l'étoile. Mais c'était bien pensé, FunFan. Pourquoi j'en prends là, moi, je suis un abruti fini. J'ai perdu la vie bêtement. Ouais, bien joué, FunFan. Oh! Attends, j'ai mal vu. Ah oui, j'ai mal vu. Je suis passé tellement vite que j'ai pas vu l'objet. Alors, attendez. J'ai failli mettre le pied dans le vide. Oh non, les salopards, ils ont mis la clé dans la lave. Non! Aïe 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 aïe, je suis en train de cuire. Non, je t'en prie, un plaisir, Aerostar. Bah, bonne app à toi, hein. Je devine que tu te restaures là. T'as bien raison.
Alors, faut que je le garde. Oh! Vous du coup. Ah, mais ils sont costauds! Message de Fun Fan 1992, en bas dans un trou j'ai bu une fiole de soins violette. Ouais, mais je te cache pas, je l'ai aperçu aussi. Mais si tu veux, tu vois, il y a du magma. Il y en a même deux, tu vois. Mais. C'est le coup magma et je remonte comment là? Tu vois, je la sens pas. C'est tentant, hein, mais je la sens pas. J'ai pas confiance. Ah, je suis passé à côté juste d'un secret. Bon, bah le cratère des enfers. Oh, cette carte. Waouh, la fosse à lave. Ah bah génial, là, va y avoir un max de lave. Gamefile, sauvegarde. Ah oh, c'était un nouvel ennemi ça. Ouh là là, j'en tombe dans la lave. Tellement que ça va surprendre. L'autre il se promène dans la lave tranquille. Pour lui c'est un parquet chauffant. Oh là, il y a des dalles qui restent pas en place. C'est un cauchemar. Au secours. Oh les enfers. Attendez, je vous lis un peu. Tac 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 tac. Oh, il y a un truc par là-bas. Vu que le niveau se passe dans un volcan. Ouais, cratère, ouais. Oh! D'accord, je vois quel ennemi me fait ça. D'ailleurs, je vais passer sur le. Merde, qui ne veut pas. Ah. Quelle horreur. Quel cauchemar. Ça va. Ce réveillement ne fait pas bobo. Mais c'est quoi ces horreurs? Ah, je te dépousse. Ah. Je vais mourir. Je me suis fait servir, je me suis trop avancé en fait. Mais ces horreurs. Oh là là. Oh là là. C'est bien imaginé, hein. Franchement, il y en a qui ont de l'imagination. Alors j'ai ramassé un truc, je sais pas ce que c'était. Mystère bout de gomme. Attends, je trouve des trucs là. Je vais pas avancer. Mais c'est quoi ça? Laisse ça. Excusez-moi.
Des runes, ok. Le fait d'avoir une besace m'arrange grandement. Je vois la clé au milieu de la lave, là, dans le delta de lave. Wow, il y a un moustique en haut. Il fait son Mario. Attendez. Oui, merci. Honneur au vôtre, comme on dit, on est déçoit. Oui, la... Ouais, ouais, la cathédrale, hein, c'était bien comme idée. Oula, j'ai déclenché un truc, moi. Si je mets là. Oh non, c'est quoi son nom? Qu'est-ce qu'on entend? Ah, c'est devenu mobile! Oh là là là. Essayer de le trucider, c'est à ce niveau-là, c'est pas évident. Ah ouais, d'accord. Waouh, la lave qui fait zéro cadeau. Et puis il y a des trucs là-bas qui essaient de m'allumer. Oui, merci hein, pour l'hébergement. C'est un enfer. D'ailleurs, je vais recharger parce que... La vie est trop précieuse pour que je la perde bêtement comme ça. C'est une catastrophe. Oh, ça remonte. Crash! Puis le machin il pousse. Oh. Hop 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 hop. Là. Alors. Que faire? J'ai la clé, mais c'était où? Est-ce que descendre dans les enfers est la bonne solution? Je sais pas. Ouais. Ah! Une sacoche! Bien! Par contre, ce guet-apens. Je suis surpris d'avoir encore de l'armure. Après m'être fait allumer si joyeusement là. Ah non, la sacoche, elle est bien cool. Y'a pas un secret dans le secret là. Je tâte les murs. Non, Gérald, non, c'est pas le cas. Attends, j'ai pas compris là. Je me brûle, ok, génial. Oh là là. Comment je fais pour remonter? Ah bah. J'ai déclenché l'artefact du vol. Ok, je fais comment pour centrer ma caméra là? Ah merci, ce que je veux dire, je sais même plus sur quoi je tire. Ah, je suis pas censé voler là. Ok, j'ai le bon du vol, mais je trouve le moyen de me voler les fesses. Nul le mec. Ah, comme ça. Ah merde, c'est des barreaux, je peux pas. Ouais, ils sont en train de me déboîter. Non mais laissez tomber là, je fais n'importe quoi. De la non-maîtrise du jeu. Attends. Si je peux pas faire usage des ailes, je remonte comment? C'est de la folie ce truc.
Mais c'est débile. C'est débile. Oh là là. Ah, j'aimerais remettre le... Voilà. La caméra comme il faut. Wow. Mais j'allais dire, je le touche ou pas là? Merde, j'ai fait load. Ne jamais faire les choses trop vite. Ah, je vais y arriver. J'ai la hache. Ah mon dieu. Comment je désactive le... Je vais atterrir les enfants. Oh là là. Merci. Et je sais déjà plus où était la porte. Attends, j'ai déjà tout récupéré ou pas? Oh là, t'as besoin de ça. Hop, 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 voilà, rapidement. Tac, tac, tac. Autant récupérer un max de matériel. Re-Olive. Et c'était par là-bas. Ouais. Alors, F6 normalement. Voilà, pour dire que je vais sauvegarder rapidement. Un grand classique dans les deux jeux, la touche F6. Servir les runes, j'ai pas compris l'intérêt des runes. Quoi? Oh là là, oh là là. Là j'ai pas. Ouais, j'allais dire, je vais peut-être pas prendre ma fiole tout de suite parce que. D'accord. Ok. Attendez, joli. Ouais, ouais, c'est vrai. Et puis après, il va lier le coup du chauffage. Sacré du boudin, ils sont durs. Oh oh oh, ça c'est bien, pas ça chopé ça. Vraiment. Oh! Qu'est-ce qu'ils font là avec des runes? Oh! 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 Alors là, là je connais pas. Nouvelle arme. Je l'avais pas dans l'épisode 1. Comment ça marche? Oh, trop bien! Stylé! Ah, c'est ça les runes! C'est des munitions! Popopo! La violence! Je comprends mieux! Oui, oui, oui.
Ah oui, c'est le symbole. Le symbole qu'on retrouve sur les interrupteurs de passage de niveau. Et là, c'est une variante retournée d'ailleurs. Alors, qui sont les vieux, pardon. J'ai l'impression de tirer un feu d'artifice avec ce son. Oh, des trucs au mur, c'est la classe. Belle déco pour des enfers. Ah. Oh. Je l'ai eu. Oh. Ah non, je l'ai encore, non. Même joueur joue encore. Donc du coup, là, non, ça bouge pas. Je teste. Hein. Ouais, l'enfer, voilà, oui. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Cette maxime est terrible. Elle est terrible. Donc oui, j'y suis allé, voilà, c'est là que j'ai récupéré l'arme. Attends, quel est mon gain de secteur? Il est nul. Si j'ai pas récupéré d'artefacts ou de clés. Pardon. Alors, j'ai envie de dire l'arme compte pas, puisque j'ai trouvé dans un secret. Ou passage secret. J'ai dû louper un truc quelque part, là. Bizarre. Pourquoi j'ai pas de gain là? Oh! Oups! Merde, j'avais pas vu qu'il était en vie. J'en ai besoin. Comment que j'ai explosé contre la vasque? Youpoupoup, je t'ai vu. Il y a une gargouille. Voilà. Oula, là il y a du coq. Ah, il y a un anneau d'incinité qui pourra servir la case. Oh merde. Ils sont vicieux. Ça va, tranquille, monsieur le marchand de lave. Tranquille, franchement. Mais sérieux, la lave, ça va faire rien. Oh, 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 oh. J'allais dire, rappelez-moi de sauvegarder. Voilà. Ouais, je suis maintenant ici. Oui, c'est vrai de voir des foquets au niveau des jambes. C'est vrai que ça fait bizarre. Là, je les ai tellement bien saucés que... Par contre, j'ai quasiment plus de munitions. Sacrin. Sacrin du bowling. Un chevalier en slip peut en cacher un autre. Incroyable, mais vrai. La clé verte est mon gain. Donc, je continue. Thank you.
cet enfoncement. Vraiment bizarre. Ah, un téléporteur. Oh. Oh. Bah dis donc. Ah oui, non, terrible. Oh, mais t'as pas de bol avec la pêche aujourd'hui, Olive. Décidément. C'est bon, les raviolis. Ah, cousin, pardon, je t'avais même pas vu. Oula, je t'ai loupé il y a 5 minutes. Tac, 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 tac. Aïe 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 aïe, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Oula. Tu sais, on descend de niveau. Wow. Oui, oui, oui. Yo 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 yo, me poussez pas dans la lave. Sinon c'est du tout cuit. Oh. Quoi? Je peux entendre comme des chiens. Oh, j'ai pu voir une porte de passage. Ça, non? À un moment donné, j'ai cru qu'il y avait un passage. Aïe, 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 mais pourquoi je me suis dans la lave, moi? Oh bah, si c'est de la purée, c'est de la purée de carottes, tu une scène. Avec cette teinte-là. Non, je vais passer en face. Aïe 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 aïe. Oh, qu'est-ce que c'est que ce niveau? Faut que je prenne l'armure, obligé. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Oh non, pas eu. Oh là là, j'ai tout le bestiaire. Allez, je me suis fait cerner. Oh, oh là 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 là. Allez, je passe en face. Tant pis si je me crame les pattes. Il doit y avoir de ces trucs à droite à gauche. Oh. Est-ce que Morbeau aurait le talent de cuisinier? Ah,
Aïe, c'est cher payé pour une dague d'immortalité temporaire. Hein. Non, pas Momo. Morbo. Morbo, roi des Borais, là. Mon beau Morbo, roi des Borais. Il diffuse parfois le dimanche soir, Morbo. Ah, le bouclier. Pas mal. Putain, il y a plein de trucs. Oh là là, ce niveau des enfers. Mais à lui seul, il est en train de me déboîter, quoi. Lorsque les ennemis entre guillemets simples deviennent des mini-boss, là ça craint. Ah oui, je vais me prendre la fiole de vie là parce que. Le dessin du niveau. Je risque de devoir regarder la carte. Attends, c'est quoi enfin? Qui c'est qui me. Putain, lui, il est en train de hacher mon nez dans le dos là. Attends, c'est quoi en face? Putain, il y a des bruits de fou! Vraiment des bruits de fou! C'est quoi, c'est la certe? Ah, j'ai pas la clé. C'est quoi ça? Là, c'est sphère. Ok. Est-ce que la clé est pas quelque part dans la lave? Et j'aurais pas vu parce que ça fait presque ton surtout. Vous me direz une clé jaune dans la lave? Oh non, ah ouh! La clé elle est là-bas. Comment je fais pour les atteindre? Comment je fais? Alors là il y a des trucs que je piche plus. Wouah! Il y a un truc qui m'échappe. C'est pas simple de voir ça. Tant pis, j'ai un peu de vie quand même. Hop là. Oh bah mince alors. Et si je regarde la carte? Ouais, bah ouais. Tableau mystère, ça viendra tout à l'heure à 20h45. Je pense que ça arrivera assez vite. Il est quoi? Oui, on est déjà en route vers les 19h alors. Ouais. Merdoum! Tableau mystère. Je suis là même.
Je tourne en rond bêtement. Non, non, ça va pas. Mon truc, en fait, ça se passe au niveau des escaliers. Ouais, ça doit être là, mon truc. Pas ailleurs. Qu'est-ce qui m'a échappé? Là, c'est le retour dans la lave, dans la rivière. Bah mince alors. La carte dit quoi? La carte fait flipper. Si je veux tenter d'aller en face, je vais me cramer. Si je marche. Là, je suis désolé. Là, ça prend du boudin. Là, je peux plus me soigner. Si j'ai une fiole là. Oh là là. C'est n'importe quoi. Allez. Une clé bleue là-bas. Oh ya ya. Le cauchemar. Là il y a du matos, mais je vais me brûler quoi. C'est du tout cuit. Ça, moi je peux pas me c'est pas. Oh, c'est qui? Ouais. Oui, tu as la poisse, oui, c'est redoutable. C'est pas ton jeu de pêche, mais on va dire. Je recommence la combinaison de tout à l'heure. Est-ce que je peux pas provoquer les ennemis de loin aussi? Évidemment, je me suis mangé le boulet en lave en pleine tronche. Ridicule. Dur. Je vais en baver de ce chapitre. Je vais en baver. La vache. Comment la gargouille. J'ai pas attendu assez longtemps. Mais j'hallucine, le truc qui meurt pas sur la. Merci. Oh, c'est trop tentant. Ah mais là j'ai pas ce qu'il faut pour là. Ah je vais mourir. C'est injouable. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Oui, à cause de la lave, ouais mais... j'ai envie de vous parler du côté sadisme des concepteurs du jeu. Tiens d'ailleurs vous me voyez plus je pense vu la luminosité, je commençais à mettre ma petite lampe, vous allez me voir un peu mieux au niveau de la tronche. Pour ceux qui veulent voir mes réactions. Mais c'est pas vrai, heureusement que j'ai sauvegardé, le temps de mettre la lampe, le machin il me tire dessus. Alors, je disais donc. Oh là là! Au corps à corps, c'est mortel.
salopard. Alors, la maudite clé. Oh le cauchemar. Ouais, il faudrait preuve que je les bouffe. Que je bouffe mon prochain ennemi en lui espérant la vie. En lui espérant son essence de vie. Alors la porte jaune, je sais même plus où est-ce qu'elle était. Quelque part dans l'histoire de la lave là. Allez, on va se promener, c'est la fête. Ça, c'est pas un secret. Oh. La lumière semblait suggérer. Attends, j'ai un peu trop dans la tronche là. La lumière. À chaque fois, j'ai l'impression qu'on peut ouvrir le truc. Mmh. Oh là, oh là, oh là, oh là. Alors, est-ce que je peux aspirer. Donnez-moi votre essence vitale. Oui, oui. Je veux ta vie. Oui. C'est pas vrai. Ah non, mais il y en a combien? Merde, où? Ah, faut que je sorte de là. Il est où le salopio? Parce qu'il est encore là. Voilà. Mais c'est bien, j'ai fait un très bon usage de l'artefact. Ah, merci. Oui, il est mouru. Ah! Ouais. Ah non, mais... Sacré vaisseau. Alors ça, ça me ralentit... Mais ça va encore. Je crois que c'est le truc vert qui est acide, là. Au centre, faut pas que j'y aille. Alors le Morphovus, là, ce sont des œufs de je sais pas quoi, c'est une arme redoutable. C'est en train de le prendre, mais c'est du... Alors j'ai la clé verte. Il faut que je retourne dans le Schmidbeek que j'avais vu avant. Pour accéder à la clé verte. Ibi. Yep. Bon app si vous passez à table. Vu qu'il est déjà 19h. Elle est où l'entre du... Elle est là. C'était ici la chute. Oui, je sauvegarde. Là. Ah! J'avais pas vu qu'il y avait un match derrière qui était plein de saucer. L'autre il se la pète en lévitation là. Je vais repasser tout doucement dans le couloir parce que même le corridor vu qu'il était hyper long. On peut le dire! Je l'ai déchiré, ouais. Oh! Il y en a combien, hein? Partout, il y en a pour tout le monde. Qui c'est qui m'a agressé? C'est lui, je crois. Il n'y a pas un passage secret dans ce corridor. Oh! Aïe aïe aïe! Je me suis fait, mais alors, pulvériser. Allez, c'est reparti. Il y a beaucoup qui se la pète, le mage en lévitation juste derrière. Là. Alors, nickel. Je m'étonne moi-même. Pas de passage secret.
Oh, ce bestiaire de fou. Ah, j'ai activé la torche par inadvertance. Oh non, je suis pas. Je me disais, je croyais qu'il m'avait tué. Voir l'écran en rouge sanglant. J'ai cru qu'il m'avait tué. Oui, on peut faire le jeu de la torche. Au moins l'artefact sert. Oh la vache, il me touchait pas. Les aveugles. Dur. Mais là, je suis quasiment mort. Oi, 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 oi. Attends, je repars dans l'autre sens parce que je vais récupérer des fioles de santé puisque j'en mettais mis de côté, entre guillemets. Voilà. Ouais, là je me sens mieux. Oui, c'est ça, il y a une symétrie parfaite. Il y avait la même chose à l'opposé. J'avais pas vu. C'est ça. Ouais. Ok. Ok, ça me va. Logique. Bien construit le niveau. N'importe quoi. Oh non! Fun fan! C'est irrévérencieux! Oh non! Devant Olive, tu arrives à faire ta première prise avec succès. Oh, mon dieu, n'importe quoi. Oh, c'est rire de fou furieux. Alors attends, je retourne là-dedans, mais... C'est bon, il y a un truc là-dedans. Ah non. J'étais tenté pour un passage secret. Ah si, j'ai un gain quand même d'être allé rapidement dans la... Dans la mare d'acide. Et là... Ouais, non, là je perds un... Ah, j'ai récupéré un objet précieux. Hein. Mais non, mais non, mais vous êtes sans pitié. Ah 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 ah, c'est une scène qui s'y met. Oh, vous êtes des vilains. Aïe aïe aïe. Ah, mais il y a un truc là. Attendez voir. Ça vaut pas le coup. Voilà. Quand on fait la balance de ce que j'ai gagné et ce que j'ai perdu, là j'ai perdu trop de vie, vêtements, donc non. Mmh. Y a un truc qui me dérange. Parce que quand j'étais dans le secteur... C'est quoi ça? Trop bizarre.
j'ai pas récupéré la clé bleue. Oh, j'étais dans le secteur vert. C'est dans ce secteur que j'ai récupéré la clé bleue, non? Ou un truc qui m'a échappé. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Mon gain ici devrait être d'avoir la clé bleue, non? Je piche plus, je te dis la carte. Alors là, il y a un truc qui m'échappe. Je me reçois différemment. Ou alors, il y aurait un autre secteur avec la clé verte? Pardon. Ce qui est possible, hein. Mais j'en ai pas souvenir dans le niveau. Attendez, le blanc, il n'y a pas accès. Ah, c'était où que j'avais entreaperçu la clé bleue? Je sais plus où c'était. Je vous lis dans le chat en même temps. Ah ouais. Mon dieu. C'est une scène, mais qui dit un Maudo qui se prend pour le site Wish, le site chinois. D'ailleurs, version Wish. Fan. D'ailleurs, je pense que ça doit bien douiller maintenant depuis le 1er janvier, là, avec les nouvelles taxes d'import, douane avec la Chine. À mon avis, le site en question, là, qui vient de Chine, ça doit plus être aussi rentable qu'avant. Oh, tu es une scène. Tu es terrible. Bon, on avait entreaperçu, je me souviens, la clé bleue, mais je sais plus où. C'était où? La clé bleue, elle était où? Je sais que je l'avais aperçue. C'est écrit. Je venais d'où, moi? Attendez voir. Il y a là, il y a ici, ici. Attends, là. C'était là où il y avait le truc jaune. Attendez. Je suis navré, hein. J'y retourne, mais. Là je fais le fameux exercice de mémorisation de cartes. Je fais l'effort de savoir. La malédiction d'Olive. Vache dure. Ah, c'est en face, je vais me cramer. Aïe, 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 aïe. Non, il n'y a pas de... Comme un idiot, j'essaie de trouver désespérément un passage secret, mais non. Même les dépouilles, les cadavres de ses ennemis me font flipper. Le début, c'était où? Aïe, aïe. Avec à chaque fois le démon qui se rit de moi. Merde. Je sais même plus d'où je viens à l'origine. Ah non, c'est pas ça.
que là je retourne. Oh, je me sens idiot. D'accord, ça c'est actif. Je progresse, mais là j'ai plus rien à y faire dans les médias. Oh, Olive, c'est la première fois que je te vois sortir de tes gonds comme ça. Eh bé. Non, attendez, mon choix est vraiment idiot parce que je reviens. C'est pas le début. C'est incroyable, je retrouve même plus mon chemin du début. Effroyable. Non, c'est pas une porte quand même. Si ? Non, c'est pas une porte. On voit qu'il y a un truc, mais je peux pas l'atteindre. Il y a un truc qui s'active, mais je sais pas comment. Merde. Ouf. Ah oui. Mais j'avais dit que je m'amuserais à programmer davantage des répliques de l'intelligence artificielle de Westbot. Parce qu'il y a vraiment des trucs délirants à faire. Attends, mais elle est où la clé? Le pire, c'est que j'ai le souvenir d'avoir vu une clé bleue quelque part, mais qui était derrière des barreaux. Je pense pas que ce soit en analysant la carte que j'arrive à faire des miracles. Attendez. Non, ça va rien m'inspirer. Non mais je pourrais les enrichir les répliques de Westbot. Y'a moyen. Faut juste que de temps en temps j'y pense, que je suis. Si un moment, s'il y a un truc qui me traverse l'esprit, j'y tiens. Je vais programmer ça. Bon, je vais retourner là. Oh! Okay, je me pète la boule. Oh! C'était là mon souvenir de la clé bleue. Je regarde, Olive. Je veux voir ton. Oh, un gardon. Ça y est, c'est la bonne. Tu as brisé la malédiction. Bien. Ah, ah. Mince, je suis tombé dans la lave. Voilà. Oh, petit gardon. Voilà. C'est fish and chips pour Olive ce soir. Donc, c'était ici.
Oh, ce qualité d'accueil. Déjà, il faudra que je sauvegarde en étant devant le truc, parce que... On va peut-être arrêter de se cogniter 10 000 fois le corridor. Wouah, comment qu'il est sorti de la pièce et qu'il est venu me cracher dessus. Oh. Attendez, j'ai quoi dans les artefacts? Ouais, peut-être faire l'immortalité temporaire. Ça va mettre bien. Allez, go. Autant que je me serve un peu des artefacts là. L'heure est venue pour moi de me transcender. Ça va, il y a pas si bien connu. Je pense qu'il n'y a pas du monde là, non? Ah non. Message de FunFan 1992, la dépêche, se dépêche de vous informer que Olive a pêché une pêche grâce à une canne à pêche. Aïe aïe aïe, c'est bien, t'es en grande forme ce soir, FunFan. C'est de bon augure pour la soirée renommée. Dessin du niveau de fou. Oh, l'image. Non, pas lui. Voilà, c'est ça. Même cri de rage. J'en pense pas moins. Dommage, c'était intéressant, il faut que j'aille le chercher le bouclier enchanté. Parce que là il me donnait 200% de protection. Ouais, j'ai le temps de... pour la munition. C'est bien, c'est l'ennemi qui a pris pour moi les dégâts. Ça fait plaisir. Je pensais qu'avec le recul, j'allais éviter le projectile, mais non. Dur, hein. Franchement, l'épisode est dur. Hein. Bah, il était où? Oh, il était dans mon dos. Trucide dans le dos. Les uns le vieux. Là oui, vraiment là. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Périphérique du chaos. Chaos device.
Oh là là, il y en a des choses à faire. Wow. Et si je changeais d'arme? Merde, j'ai accès à toute la cavalcade là. C'est moi ou il se zigouille un peu? Et ça, normalement, c'est la sortie du niveau, mais. Bon, bizarre. Tu me diras, là, je suis à l'abri. Je vais pas m'en plaindre. Attends, j'ose plus y aller. Là. Oui, une besace. Le bonheur. Le bonheur d'avoir la besace. Oui, sauvegardons rapidement. Hop, 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 hop. Ah. Ah. On envoie des projectiles qui sont là. Il y a encore du peuple, on les voit là, qui attendent, oserais-je dire, dans l'ombre. Heureusement qu'elle provoque du recul, cette arme. Parce qu'il pourrait me toucher, me viander. À moi, la récompense. Le périphérique du chaos. Nouvelle arme. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, ça valait le coup là. J'ai envie d'essayer. On recharge après, je m'en fous. Oh! C'est génial! Wouah! Mazette. Nyarf, nyarf, nyarf. Ah, merci pour les clips. Merci tout plein. Et ça, c'est... Ouais, c'est l'autre porte, ouais. Et bah, dis donc. Alors, attendez. Je vais essayer de récupérer quand même un max d'objets. Je m'en voudrais de louper un truc. Je vais faire mon gourmand, mais... Ah non, 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 non. Il peut pas y avoir de pièces. Quand on lit la carte, c'est pas possible. C'est pas... Oh! On va pas dire non à la petite fiole. C'est bête hein, mais je veux vérifier que j'ai pas oublié mon objet. Parce que là, vu le niveau de difficulté, autant que je sois à mon aise au niveau suivant. Quoi. Bon là, il y a de la munition, mais bon là aussi tu me diras. Mais... Ah, là ça va aller accessible sans voler les pattes. C'était quoi ici? Ah bah là aussi il y avait un sceptre. Là, il y avait rien d'autre? Non, oui, non, c'est... À la lecture de la carte, on comprend que... Il n'y a pas d'autre possibilité. Ça y est, vous êtes déchaîné dans le jeu de la pêche. Oui, t'as pêché ta propre pub. C'est rigolo. Tu vas découvrir le nom du niveau suivant, mon cher fun fan. Après la rivière de feu. Oh, zéro secret, c'est moche. Bah finalement, je l'ai rincé le niveau de la rivière de feu. Le prochain niveau est... Oh, la grotte de glace. Enfin, encore que c'est bizarre qu'ils aient pas dit c'est Ice Cave. Grotto, ça doit être un... Côté italien, je crois, non? Oui, la pêche vous a perverti, je vois ça. Bah, si c'est que de la glace, moi ça me va.
Ça me rassure quelque part. Je préfère ça que la lave. Non, il n'y a pas de secret, je suis où là? Quoi? C'est un niveau 4. Bon, bah, c'est pas la bonne arme. C'est des petites gargouilles de misère. Le petit sceptre suffira. Et je vais vous réduire en pièces, vilaine petite gargouille. Viens ici, vilaine. Voilà, brique. Oula. Évidemment, la glace, le gel, ça fausse les déplacements. Là, il y a un truc là, non? Ah non, j'aurais cru. Perdu, ce n'est pas un niveau, un mur qui coulisse. Wop, hop, 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 mais d'où il me tire, lui? Oh là là, la cavalcade. Attendez, je me mets un truc à l'abri, là. Voilà, sur la terre ferme. Allez, les vilaines, mourez. Bon, va mourir. Va mourir, chose aimée. Ils arrivent à me toucher, les pots de vache. Bienvenue en enfer. Oh, qu'est-ce qu'il fout sur la glace, lui? C'est pas la bonne arme. Oh, c'est bien, là, je vais me faire démonter. Ah, si, quand même. Il m'a bien bousillé l'armure, ce qui est pas très malin, mais bon. Voilà. La terre ferme, elle est où, à l'autre bout de la glace, là? Oh là là, ce bestiaire de fou. Oh là là! Pousse-toi, toi! Je veux pas te voir, oui! Ah! Non, même pas. Non, 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 non. Je suis fait comme un... Ah! Mais elle va mourir, oui. Il est une bête. Qu'est-ce que c'est que cette fantasme? Non mais c'est vraiment dur de... Sans déconner. Attends, je présume qu'il n'y aura pas de secret là. Je serais surpris que j'ai un truc de ah, ah, ah. Ils m'ont lâchement tué. Dur. Pas mal. Ça me plaît bien ce que j'ai fait. Alors par ici, il y a quoi? Oula, il y a du peuple. Attendez, par où est-ce qu'il faut passer? J'ai pas pris la bonne. Difficulté de progresser sur cette glace. C'est vraiment terrible. C'est bien pensé, hein, c'est bien programmé. Mais punaise. Ah, oh, je peux pas esquiver. Je la voyais venir, mais j'ai pas pu esquiver. C'est tout bête, mais je pense que le jeu aurait pu gagner en immersion et en crédibilité si le clic droit de la souris avait été réservé pour parer au bouclier. Juste être en mode défense intégrale, on n'aurait pas eu le droit de mener une attaque à ce moment-là. Mais ça serait divisé par de moitié ou mieux les dégâts d'une attaque, ça aurait été classe, je pense. Oui, je peux le faire discret, faire oublier avec la sphère de moi. Je passe à côté de la fiole.
Ah non, j'ai suffisamment de traits d'alerte. Alors là, sans déconner, où est-ce que je m'en vais? Ah, il m'arrose. Oh là, il y en a plein. Il faut que je bouge. Il y a des ennemis sur les hauteurs. Là, j'ai fait ou pas? Oui, apparemment, je les ai trucidés, il n'y a rien. Il faut bien que je trouve une clé quelque part. Wow, il sort. Attends, il y a encore une fiole, je vais pas m'en priver. C'est pas de la tarte. Ouah, je tombe dans la lave. Le mec, il est fou. Alors, sauvegardons. Est-ce que là... Oui, c'est bien grotte, ouais, grotto. Ok, merci. Parce que j'aurais été tellement... il m'aurait semblé naturel qu'ils disent un peu le terme cave. Ouh, wow, je me suis laissé surprendre par la gargouille. J'ai l'impression que ça leur fait pas beaucoup de dégâts aux gargouilles, l'arme là. Attendez, mais sérieux, je suis débile profond ou... Qu'est-ce que j'ai loupé? Attendez, là, c'est pas un passage en face. Le pan de mur est vachement éclairé. Non. Je vais changer d'arme. Ouais, je vais reprendre mon arbalète. Je l'adore. Attendez. Là, je me sens vraiment imbécile. Il y a un truc que j'ai pas vu. Ah, bien! Allez, c'est parti pour la récolte, Liv. Il va y avoir du poiscaille au dîner ce soir, virtuellement parlant. Attends. Oh, mais je suis pas allé par là. Oh, 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 oh. Très précieux, la besace. Très précieuse. Ah, les salopios. Allez, porte jaune, on y croit. Voilà, on va se retrouver sur un sol ferme. Ah, à moi le chef. Oh, moi. Alors j'ai fait usage du sceptre et ça m'a détruit. Je suis pas apte à faire usage de cette arme, je suis indigne, je ne comprends plus. C'était tellement puissant que je me suis consumé. Mais cet hôtel à la Tomb Raider, c'est pour Lara Croft ça. Non mais je peux pas faire usage d'une arme complètement pétée alors que j'ai des petites gargouilles. Vous êtes fous. Oui. Allez, dur, vilaine bite. Vilaine bite, disons en fille. Y'a rien là? Non. Orbe de flamme. Oh. Y'a rien derrière? Attendez voir. Je vais faire pareil avec le mur opposé, parce que j'avais pas pris cette disposition. La carte dit quoi? Oh, la carte dit que ça aurait pu être crédible. Oh. Et là? Non, ouais, rien de rien. Oh, je suis déception. Bon appétit, Fun. Tu passes mes olives. Ah, une palée, tu l'avais pas encore pêché. Oula. La question est, où suis-je? Je suis sur les hauteurs du truc. Attends, je comprends pas. Quel est mon intérêt? Parce que là, là...
C'est une blague. C'est une blague. C'est une blague et j'ai pas compris. Attends, j'ai pas de gain. Ah, là, ça s'est ouvert. Oh merde. Oh! Après une souris verte, là c'est une petite clé verte. La clé verte était là-bas. Enfin, la porte verte. Oh non. Était là-bas. Merdoum! Trajectoire nullissime de ma part. Oh oh oh! J'ai loupé quelque chose là. J'ai cru voir un bouclier. Ah, j'ai l'œil. Je dis oui! Je dis oui. Alors. Merdoum, c'était par là-bas. Ah non, c'était pas par là. Ah, par là peut-être. Ah ouais. Atteignons la porte verte. Alors là, ça vaut le coup de sauvegarder parce que la glace, hein, progresser dessus, ici, c'est hyper chiant. Ah, je me suis fait transparent, dis donc. Il m'a pas vu, cet idiot. Ha ha. Ha ha. Sympa. Il m'a pas vu. Ah, c'est bon, oui. Merde. Les mages sont pas si débiles que ça. Et je me fais allumer par ces mages qui sont des enfants. Pas mort. Ah, meurs, vilain mage, meurs. Non, tu n'échapperas pas à ma malédiction. La malédiction de la perforation. Avec trois jolis carreaux d'arbalète. C'est la classe. Ah, je l'ai planté. Ah, m'a fait peur cette gargouille. Oh là là, il y a des monstres en contrebas. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai des fioles de... Oh! Ah! Mais non, mais j'ai une gargouille qui me griffe. Bon. Je me disais inventaire. Oui, bon, autant faire usage d'un petit peu de. Un petit remontant, hein? C'est ça qui est bon. Ouh, c'est sombre par ici. Ouh là là, j'ai. Ah merde, j'ai plus de torche. Perdu! Je n'ai plus. Ah bah. Il n'y avait qu'à demander. Ah, sauf qu'elle n'est pas accessible. C'est moche. Vous êtes des vilains. Vous êtes des vilains. Oh, il est question. Mourez. Mais si, je l'ai eu. Oh. Je l'avais chopé au passage. Et elle va mourir, cette gargouille de mes deux. Non mais non, mais oui, mais là, torche, 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 torche. Merci. Oula, mais c'est une ville, c'est la cité des infernales là, que j'ai découverte. Oulala. Comment je vais gérer tout ça, moi? Eh ben, on en a des choses à visiter, je vous le dis, moi. Wow. Ok.
Qu'est-ce que c'est que ce Blitz? Tais-toi, la gargouille. Oh, la violence. Oh, comment qu'elle a giclé dans la lave. Se régale. Toi, toi, interdiction de me griffer. Non. Mais... Allez, mourir, va. Oh, cette violence. Alors... Oh. Oh. Oh, la carte du niveau m'est intégralement révélée. Ça, c'est bon. Ah, t'as une idée. Une scène a une idée. Oh. Oh mon dieu. Oh le vilain. Oh bah tiens, du coup je meurs. Alors attends, je bois un coup et je mets les patounes. Ça va être redoutable au clavier les patounes. Vous savez quoi? Je vais me basculer en lumière pour de bon là. Attendez. Ouais, rip. Attendez. Je vais mettre ma lumière artificielle pour de bon. Hop là. Je serai beaucoup plus confort d'ailleurs. Tac, 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 tac. Oui, non, là, il n'y a rien. Ouais, les patounes sont à côté. Attends, j'ai l'impression que mon drap est mal tendu. Alors la suite. Ouais, 19h45. Alors, du coup, je peux désactiver la lampe. Je ne cacherai pas que je me sentirai mieux. Éviter de me provoquer un mal de crâne. Bah, oh, j'arrive même plus à ranger ma lampe. Excusez-moi pour le bruit horrible. Alors, les patounes. Ah, les patounes. Toc. Et une patoune. Et deux patounes. Je pense que ce gage va être horrible quand il fera canicule l'été. Je vais avoir les mains qui vont sointer à 600%. J'arrive même plus à reprendre mon clavier d'ailleurs. Rien qu'avec les patounes. Attends, faut pas que je le casse parce qu'il est beau. J'y tiens mon clavier, il est trop bien. Alors. Oui, il faut que je tienne au moins avec 20 heures avec. Tu vas voir que même le menu, je vais me planter. Oh merde, j'en étais là. Ah ah, gage des patounes, c'est un cauchemar. Ça commence très mal. Ça commence très très mal, je tire sans le vouloir. Alors attends, il y a le mage qui me... Oh! Merde, merde, j'avance plus. Bouge! Mais bouge! Mais non! Mais je me fais démonter! Mais il est où ce mage? Ah, il est planqué! Oh! C'est impossible! Oh là là! Oh, ma cam est cassée! Oh non! Attendez! Merdoum! Alors attendez. Message de FunFan 1992, il y a un souci sur ta cam. Ouais, qui va m'obliger à quitter le jeu parce qu'il faut que je réactive et désactive la cam dans OBS. Pourquoi elle a lâché la cam? Oh. J'ai dû trop bouger la rallonge USB à court-circuiter. Attendez voir. Merdoum. Ça revient? Ouais, ça revient. Alors, il me faut le chat et il faut que je relance le jeu.
Et du coup, je vais remettre les patounes. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Alors, hop. Patoun. Ouch. Ah! Ça y est, j'arrive plus à remettre bien les doigts. C'est ça. Alors, on y croit. C'était pas l'aide de la bonne. Alors, que j'essaie de m'en sortir dans cette galère. Parce que Patoun clavier, c'est. Si je reste immobile, je suis un homme mort. Je suis un elfe mort, puisque j'incarne un elfe. Ouais, bon. Ah non, mais je vais me faire démonter. Oh, la torche peut aider, sans déconner. Dégage la gargouille. D'ailleurs. Non, c'est. Ah! J'essaie de faire un truc au clavier en même temps et puis. L'inventaire. Non, c'est pas l'inventaire. Non, je veux pas quitter! Mais ça va pas, non! Mais non! Oh non, mais non, mais c'est l'enfer! Mais non! Mais oui! Mais remets-moi mon. Merci! Attends, ils sont où? Oh, l'enfer des patounes! Non! Va mourir, toi! Me griffe pas et me brûle pas! Vite, la fiole! Ah! Je voulais pas tirer! Ah! Ah! Je vais pas cesser de gémir, c'est horrible! Non, mais recule! Et voilà. L'autre, il m'a déchiqueté. C'est tout de fou. Ah! Ouais! L'horreur ouais, de la programmation avec les patounes. Alors, vous saurez qu'en programmation, il existe un langage de programmation. C'est une torture, c'est du masochisme intellectuel. Le langage de programmation est composé que de. Comment on appelle ça? De. D'espace et de calculation. Voilà, voilà. Oui. Alors, attendez, que j'arrive à recharger. Je sais plus à quelle heure il avait annoncé son programme, Aerostar, là, je crois qu'il doit faire du Trackmania Turbo. Peut-être à 20h15 qui reprend l'antenne, je crois. Pour ceux qui seraient intéressés. Ah, je suis en enfer. Enfer des patounes. Et voyez ce qu'il en retourne. Mais non! Mais oui! Mais active le. Merci. Mais non, mais l'ultime cible, mais bouge! C'est impossible! C'est. Oh! T'as trouvé l'usage parfait des patounes, Tunsen. C'est injouable! C'est injouable! Impossible le truc. Oh là là, je suis bien. Non, j'ai pas de. Oh là là. Ah oui, je veux bien la fiole. Oh le cauchemar. Et là, il y a un mage, ça prend du boulot. Barre-toi la gargouille, meurs. Merci. Hop 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 hop. Meurs. Ouais, je suis si dingue que le jeu que c'est dit ça.
Ouais, Vivastico. Ah, c'est pas la démon inférieure en Dariel dans Diablo 2. Je crois que c'est ça. C'est elle qui le dit dans le jeu. Ouais, Vivastico. Alors là, là, c'est une hérésie de ma part. Heureusement qu'il est mort, lui. Oh. Ah, il est déjà en... D'accord, en direct sur Trackmania. Oui, pour ceux qui sont intéressés. Ouais, c'est bien, il a fini de se restaurer, Ironstar. Non, mais 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 non. L'enfer. La touche contrôle à côté des flèches, alors évidemment je tire sans vouloir et je m'arrête. Non mais non mais non mais je suis en train de me faire hacher menu là. Allez là la bestiole. Allez avance. C'est le mage qui m'a trucidé. C'était le risque. De là où je suis. Ah bah tiens, je suis en invisible. Du coup, j'ai pas fait exprès, mais j'ai déclenché le truc. J'arrive pas. C'est un cauchemar. Je bourrine mon clavier comme un vidéo, moi. Non mais non mais non mais là c'est ça va pas du tout. je tape du poing sur le clavier. Validé. Bam bam bam. Ouah. Je sens qu'elle va me faire tourner en bourrique cette gargouille, je vais l'ignorer. Je vais l'ignorer pour le moment. Alors attends, normalement j'ai la torche qui est à l'autre bout. Ouais, je vois quelque chose. Mais... Ah le mage! Comment que je l'ai allumé? Cachonnerie. Tourne, cachonnerie. Impossible. Allez, hop, la gamouille. Peut-être que comme ça, je peux peut-être m'en sortir. Tiens, en mettant mon. Bah pas tout comme ça sur le clavier mais... Oh non mais ils vont me trucider là. Je fais le tour du pâté de maison. Je me fais visiter le village des enfers. C'est pas mal hein, comme technique avec le gage. Franchement. Oula. Cette technique. Non!
Je ne vais pas tirer, les munitions sont précieuses. Je m'en voudrais. Oula. Bonsoir, Dispéum. J'espère que tu vas bien. Merde, la torche s'est éteinte. Hop, 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 voilà. Non, c'est bon, finalement, il n'y a plus grand monde, là. Ah, c'est bon, il y a du monde. Si, si, il y a du monde. Oh, oh, oh. Allez, mourez. Ils ont combien de points de vie, eux? Ça y est, mourir. J'en reviens pas comment je survis, là. Merde, qui c'est qui me baise? Oh là là là, le gage des patounes est redoutable. Ouais, FPS First Person Shooters. Bien rétro. Comme je les aime. Alors lui, c'est un cauchemar, lui. Oh, magnifique! Oui! Oui! F6, non. Je veux bien sauvegarder, je suis content. Attention à... Surtout en ce moment, de faire allusion aux politiques, Tunsen, s'il te plaît. Oula! Oula là! Oula là 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 là. Je crois avoir fait un bon quart d'heure les patounes. Je m'octroie le droit de les retirer. J'ai tenu l'enfer du... Non ! Je me fais bouffer encore. Waouh ! Wow. Ça fait du bien de retrouver ces petits doigts. Oula ! Ah oui, il y avait la carte. J'ai plus de vie. Ouais, j'ai une petite fiole, heureusement. Mais non, là, il faut que j'agresse les vilains avec. Oups. Il faudrait que j'agresse des ennemis avec un. Comment on appelle ça? Les gants où j'aspire leur vie, leur essence vitale. Ouh, ça c'est une autre salle, ça. Salle à l'opposé, ça. Uh-huh. Oh merde. Attendez, pardon, je vais vous lire dans le chat parce que je vois plus de chat rouge.
Oh. C'est vrai que de plus avoir de torches là, c'est pénible. Parce qu'il s'agit de visiter toutes les demeures. Merde, elle est verrouillée celle-là. C'est vrai aussi. Est-ce qu'il n'y aurait pas un interrupteur que j'aurais loupé dans la première baraque? Merde, je marche sur le lag, moi. Qui est con. Ah non, c'est Westbot qui donne des infos. Okay. Qui c'est qui m'a défoncé? Oh! Où sommes-nous? Ah non, mais il a des boîtes méchamment, lui. Non, il vient pas de là. Bah merde, là. Non, là, là, là. Je suis dubitatif. Que j'ai loupé. Y a pas un jeu de levier pour accéder aux maisons? Non mais j'ai vraiment zappé un truc là, c'est pas possible. Bizarre. Bon, je vais peut-être pas forcément m'acharner dans la zone. Attends. C'est quand même un objet précieux. Je vais peut-être aller dans les autres zones. Ah, attends. Non, c'est là où j'étais. Non, non, non. Donc, il y a... J'ai peut-être la suite en dehors. Il y a peut-être un truc que j'ai zappé. Ah, c'est fermé. Pourquoi? Attendez, mais... De toute façon, je peux pas sortir de là où je suis, là. Là, je suis bloqué là, au niveau de l'esprit. Ah. Ah. À moins que ce soit... Merde, non, c'est la salle de l'autre... C'est l'autre aile de la même baraque, en fait. Ouais, ouais, j'ai regardé la carte, là, t'as raison. J'ai regardé la carte. Il y en a des choses. Attends voir, je vais d'abord essayer de me repérer. Me reposer. Ah, j'ai pas fait par ici.
Là, j'ai pas fait. Ouais, parce que c'était un baiser. Donc là, c'est bon. Effectivement, la carte, elle devient indispensable à ce niveau-là. Parce que j'ai le cerveau qui est retourné, là. Donc je pense que cette artère, j'ai plus rien à y faire. Oh! Ah non. J'ai cru un passage secret. En face, il y a des trucs que j'ai mal explorés en face. Il me manque un truc, c'est en grisâtre. Quand c'est en grisâtre, c'est que c'est pas exploré. Là, il y a un truc. Comment on y va, je sais pas. Pardon. Attends, est-ce que c'est... Ah, ça peut être par au-dessus. Alors, attendez. Escalier, je file là-haut. Ah, c'est là où je suis pas allé. Oula. Ah, voilà. C'est ça. Interrupteur qui va m'ouvrir je sais pas où dans le village. Une autre maison. Merci. Ah, perche soleil de 6 kilos. Donc là, j'ai dû ouvrir une autre baraque. Reste à savoir laquelle. Ah, celle-ci. Oh, clé bleue. Oh là, c'est le salopard qui m'a tué 10 fois dans les essais précédents depuis la fenêtre. Vengeance est faite. Oh là là. Oh là là. Oui, c'est bien ça. Oh là là. J'aurais ouvert toutes les portes finalement peut-être. Avec ce seul interrupteur. Pourquoi pas. Hein. Mais c'est du beau boulot. C'est animé. C'est du beau boulot la modélisation des. La carte là. Ils ont bien bossé. Hein. Là c'est. Bah non, c'est le bâtiment qu'on connaît. Donc faut pas que j'aille par là. Donc là je viens d'y aller, on voit les traces du carnage. Donc en face j'y suis allé, la clé bleue. Oui bah je crois que je peux aller directement au truc de la clé bleue. Hein. Là je sais plus si c'est la même baraque ou pas. Oui ouais ouais. Attends, la carte dit... Oui non j'ai tout fait. J'ai tout fait. Ouais, il y a des boulangers, ouais. Oh ! La liche de fer, le boss final du premier épisode. Sauf que c'était un coup. Ah bah ça va, je l'ai explosé assez rapidement. Oula. Oulala. Faut pas être épileptique. J'ai déjà l'aider un enfant. Oh, 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 ce comité d'accueil. Non, 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 non. J'ai esquivé ton attaque à la noix. Non, fin du niveau déjà. Sérieux? Ah oui, sérieux. Oh, zéro secret. Ah là 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 là, quelle heure il est? Oh, dans une demi-heure, on passe au tableau mystère. La vache, le temps passe à une vitesse. Oh, les catacombes! Il va y avoir plein de squelettes!
Des squelettes qui vont reprendre vie sous nos yeux. Oui. Je vais changer d'arme parce que l'arbalète là j'ai quasiment plus rien. Oh là, on entend la bestiole hein, qui attend. Oh! Il est au-dessus! Oh là 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 là! Ah, j'ai vu un bouton en contrebas! J'ai vu un bouton en contrebas, mais je suis déjà fait un voyage à l'étage. Je me fais déchirer, exploser, pulvériser, tout ce que vous voulez. Pouah! La violence! Non, sérieux? Oh, trop stylé. Je l'ai pas cru. Son chien, les gargouilles. Vous êtes chiantes, les gargouilles, allez mourir! Vraiment, avec cette arme, j'ai l'impression de tirer un feu d'artifice. Oh là 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 là. Oh! Ok. On est dans le flop là. On est dans le flop. Ça fait que le flop. Téléportation. Non, y'a rien là. Ah ouais. D'accord, ok. Qu'est-ce que je me plonge quand je fais ça, moi? Surtout que ça dure pas longtemps. Attendez. Ah, écluse. La vache. Ah, c'est le niveau de l'eau qui baisse subitement. Oh, ce truc. Non. Sacré fun fun. C'est
pas verrouillé. Donc il faut que je déverrouille tout ça. Oups. Génial, le courant est tellement fort que je peux pas me poser. Bon. Attendez, j'ai vu un interrupteur tout à l'heure quand j'ai monté les marches. Là. Mais je peux tomber dans le trou. Merci. J'ai une griffe de dragon. J'ai pas compris. Donc je veux bien récupérer des fioles de magie. Ça peut aider pour patater les ennemis. Je suis bien là, vous voyez, je me relaxe, je suis content d'être en votre compagnie et j'apprécie le jeu. J'apprécie le jeu. C'est ça. On va optimiser par la vidéo. Alors attendez. Ah, est-ce que là j'ai pas récupéré la clé. Ah! Oh! J'ai bien qu'il y avait une logique à baisser le niveau de l'eau. Oh! Le besace. Il va mourir lui. Ah oui, donc il y a la clé qui est là-bas. Je peux pas revenir? Oh, c'est à sens unique, c'est scandaleux. Non, j'arrive pas assez vite. Après la gargouille, mais elle est pas morte. Mais vilaine bête. Mais elle est véritablement infernale. Pour un boss, ça ou quoi? La gargouille qui me fait tourner en bourrique. Alors, l'accès jaune. Où est l'accès jaune? Merde, boum. Merci. Mais non. On se moque de moi. Mais. Pourquoi je peux plus aller à contre-courant? Je l'avais fait instinctivement tout à l'heure et j'y arrive plus là. Attends, c'est scripté là ou quoi? J'ai l'impression. Oh, c'est agaçant. C'est frustrant. C'est bien, ça y est, vous enchaînez les bonnes prises. Au niveau du poids sky. Elle est maline, hein. Elle vient pas se roter à moi, elle sait qu'elle peut faire le tir à distance. Elle est pas débile. Bonne gargouille. Alors, qu'est-ce que j'ai. Putain, il y a un petit malin. Attends. Ah là, je suis mort. Merci pour les clips. Difficulté qui est relevée. Moi j'y arrive plus là. Et la clé elle était à l'autre bout de l'escalier.
Il y a rien à faire. Bon. Oh merde, boum! Je me mange des projectiles en pleine poire. C'est pas ça qu'il faut faire. Oui, bon, je peux redescendre. Alors là, frustration. Directement. Je sauvegarde mon niveau. Donc à mon ami, ça oublie pas. Je reviens derrière si je peux. Attends, il faut que je prenne le niveau. Ok, tout s'explique. Voilà, c'est quoi ce monde? Comité d'accueil. Yo. Allez, c'est le 14 juillet avant l'heure. On descend les enfers tout doucement, on est à l'image. Merde, on a fait son tourbillon. Très bien, elle est morte. Bon débarras. Merde, j'ai plus que j'en perds mon numéro. Oh là, la difficulté de nager à contre-courant en quelque sorte. Il n'y a pas d'ennemis, rien. Oh, tu m'étonnes. Ça m'étonne. Encore une gargouille. Le vitrail qui représente un mage. Ah tiens. La bonne blague. Ah merde, mais non, c'est la les enfers là. Je peux marcher sur la lave. Ouh. Ah ouais. Une rune mystique, une rune. Oh,
bien de l'huile verte. C'est pas rien. C'est pas rien. Il y a quelque chose qui m'arrache de venir. Ah, c'est dommage à moi. D'accord. J'ai la clé verte. D'accord. Ok, la porte est magnifique. J'aime beaucoup la déco. Oh. Oh, on dirait une femme mage qui tient un artefact en lévitation. Une espèce de gladiateur en fait, avec le symbole du trident énigmatique de Hérétique. Enfin, Pégase, il aurait fallu avoir des ailes, mais il n'y a pas. On aurait pu y venir. Pardon. On aurait pu y venir. Oh. Oh. Ah ben voilà, je me retrouve dans le... Mais je me demande si la première fois, je suis pas arrivé là par accident. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Alors, est-ce que du coup je peux la retenter là? Non. C'est dingue. Comment j'avais fait la première fois? J'étais parvenu à tomber. Je m'acharne à nouveau comme un fou furieux. Ah bah voilà. Là j'ai réussi. Ah voilà. Le passage était là en fait. D'accord. Donc moi j'arrive ici et je peux aller là maintenant. Eh, je voudrais pas dire mais là il y a un effet Tomb Raider. Là je verrais bien Lara Croft. Il est trop flippant le décor. Oh! Oh! Je vais de surprise en surprise. Bon, on y go. Ouais, 20h30. Ah, j'ai loupé plein de secrets.
Le labyrinthe. Bon bah, s'il porte bien son nom le niveau, on va s'y perdre. À moins que j'ai mon fil d'Ariane. Allez, donne-moi accès au niveau. Qu'est-ce que c'est que ça? On commence dans un milieu clos. Sauf erreur de ma part, c'est bien la première fois. Qu'est-ce que c'est que ça? Le labyrinthe. Attention, vision sur l'horreur. On peut refermer la porte? Non. Ah oui. Pas au bon rythme, mais oui. Oh! J'attends que les projectiles se fracassent sur la porte et je rouvre. De glace et de lave comme la dernière fois. Ah, les jeux qui rend fou, qui rend tout fou les jeux. Merde. C'est à ce moment-là que tu te dis que les concepteurs de la carte se sont fait plaisir. Et j'ai chauffé, GG. Le démon qui surveille moi. On a une petite clé en or au passage, ça fait plaisir. On va pas dire non. Elles sont chiantes, ça garde les mais elles sont chiantes. Allez mourir. Il y en a encore ici et là. Oh. Je crois, non. Ah non, je ne peux pas ouvrir cette porte. Oi, oi, oi. Il faudra que je me trouve une porte jaune. J'avais exterminé les loustiques de la zone. Et donc ce sera ici, je vais sauvegarder. Ça va, c'est pas si labyrinthesque que ça. Enfin, pour le moment, je me sens moins perdu que. Oh!
Nous entendons les bêtes. Qui veulent me déchiqueter. Ah, bah vous autant aller au centre. Aïe, 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 mais non, c'est de l'acide. Ah, je pensais que c'était de la terre meuble. C'est la fête. Voilà, la technique est pas trop mauvaise. Il faudrait juste que je bouge un peu plus. Histoire qu'ils aient pas le temps de me hacher le menu. Merde, il y a l'acide à la rigueur là. Content là, je joue bien. Ta 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 ta. Porte verte, elle était où? Ah, je me suis planté. Ouais, il y a des flasques mauves que je ramasse pas à mon grand tort. Mais je crois par avance qu'elle va mourir et non. Son coriace, c'est son chien. Bonsoir, Tomouf. Ah, oh, en espérant que tu ailles bien ce samedi soir. Saturday Night Fever. Par où qu'il faut que je passe ici? Oh mon dieu. Oh mon dieu! Oh oui. Combien il faut peur au secours. Oh non! Je suis allé plonger en enfer. Ah bah ça va être un beau spectacle de les voir se trucider. Oui, ça a bien changé Gran Turismo. Ouais, j'essaie de varier les jeux. Mais ce matin, j'étais content de mon Gran Turismo, ça m'a fait du bien. Comme là, d'être sur Hérétique, c'est cool. Bah on va passer au tableau mystère. Là, comme je suis mort, c'est pas grave, je reprendrai plus tard. 9 fois. On va passer tranquillou au tableau mystère et puis on va papoter aussi d'ailleurs un petit peu. Ah, alors attendez que je remette le bon plan pour vous. Non, pas la compil des clips. Oh là là, pardon. Je me plante. Ah oui, d'ailleurs, pour ceux qui veulent la com. Pourquoi ça me l'a fait en majuscule, tiens? Ah, c'est parce que je suis en majuscule. D'accord, donc du coup ça a cassé la... Tiens non. Attendez voir. Je vais faire ça comme ça. Je vais désactiver l'aperçu. Je vais mettre en plein écran. Non, pas comme ça. Rap psychédélique. Mais qu'ai-je fait? Comme ça normalement. Voilà. Voilà, la citation est tellement grande qu'elle est tronquée à l'affichage. Ouf. Bref.
Bon, bah, j'espère que vous allez tous bien. Attendez que je relise. Merci pour les clips. Je remonte un peu le chat pour voir si j'ai pas oublié de vous lire des trucs. Non, apparemment, oui, il y avait rien de particulier. La 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 la. Eh ben, c'était bien. C'était cool. Ah, il faut que je change de catégorie. Je vais me faire rouspéter par la plateforme si je dis que je suis pas en jet chatting. Pardon. Non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Je veux déclarer le just chatting. Attendez, s'il vous plaît. Tac 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 tac. Tic 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 tic. Touc. Yesh. Hop, et mon titre. Tableau mystère. Voilà, ça c'est la classe. Ah, alors faut que je rouvre tout, vous le savez, la liste de vos réponses, le tableur, le blablabla, tout ça, tout ça. Ou vache. Attendez. Attendez. Ça correspond à quand? C'était le lundi Pâques, le 18, hein, je crois. Ah oui. Wow, j'ai un paquet de réponses. J'ai même du Bombastos dans le lot. J'ai du Edge. Attendez, finalement, je vais faire comme ça. Il faut que je puisse vous lire en même temps. Oui, Arnaud, oui, le chanteur belge. Ouais, j'avais lu ça tout à l'heure en plus. Ouais, je l'aimais bien, ouais. Et je crois que sa plus grande vanne, il jouait sur son physique et il disait: oh, j'ai toujours rêvé être un chanteur de charme. Il avait beaucoup de parties d'humour, ce monsieur. Paix à son âme. Je voulais aller dans mon tableur voir les réponses. On est le 23. Alors attends. J'ai 18. J'ai 4 bonnes réponses en date du 18. Ah ouais, alors Edge, j'avais noté. Attendez, c'est le lundi de Pâques. Oula. Alors attends, dans l'horaire, il faut que je regarde. C'est pas évident. Lundi de Pâques, j'avais rendu l'antenne à quelle heure? Fanfan et Tunsen avaient trouvé Pingu. Non, c'était pas Tetris. Alors, vous pouvez toujours. Ah, oh merde, il faut que je vous mette le plan du. C'est pas tout de regarder le, moi de mon côté le tableur, mais là vous me voyez en train de mastiquer le crâne, c'est débile. Allez-y, regardez. C'était le tableau 64. Alors, Pingu avait été trouvé. Point d'exclamation TM, espace suivi de votre réponse, hein, pour ceux qui veulent essayer de gagner des points. Pour le plaisir, hein, c'est pour. Enfin, c'est comme des points de chaîne, mais. C'est pour le plaisir. Non, il faudrait que je vire les réponses une à une parce que je vais pas m'en sortir. J'ai une bonne réponse, j'ai deux bonnes réponses, j'ai. Oh là, oh là, oh là! Ok, Tunsen a fumé le tableau mystère comme d'hab. Et Bastos aussi. Donc si vous voyez pas en fait le problème, je peux vous dire que tout a été trouvé. C'est effroyable, non? Ah mon Dieu. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Oh, bonsoir, Edge. J'espère que tu vas bien. Non, c'est pas Tetris, c'est pas Doom. Alors, Tomouf, quand tu veux jouer, en fait, moi, il faut que je vois ta réponse.
il faut que tu fasses point d'exclamation TM suivi de ta réponse. Donc dans ton cas, il faudrait que tu fasses ça, tu vois. Doom et Tetris, par exemple. Voilà, regarde l'exemple. Voilà, c'est comme ça que ça marche, Tomouf. Voilà, tu le verras dans le vrai chat de Twitch, parce que moi je me suis censuré dans mon habillage de chat, mais si tu vois le chat Twitch, tu verras. Ouais, c'est bien, tu vas bien, Edge, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Tableau mystère. Ah, attends, oui, il faut que je sucre mon truc. Tout a été trouvé, c'est la folie. Ça a été trouvé. Alors attendez, je vais vous annoncer les jeux qui ont été trouvés. Ça a été trouvé. Et le quatrième, je ne sais plus où est-ce qu'il est. Il est là. Alors, les bonnes réponses. Là, du coup, vous pouvez plus jouer. Non, Froboz, pas Wolfenstein 3D. Non, non. Et bonsoir, Froboz. Je sais plus si je t'ai salué, mon pauvre. J'ai la mémoire courte. Donc, il fallait trouver Block from Hell. C'est ce qui ressemblait à Tetris, si j'ai pas de bêtises. Merde, je sais plus. Attendez. C'est là qu'il faut que je mette le déjà trouvé. Oui, non, on a dit s'il n'y a pas, c'est pas grave. Faut pas que je fasse de bêtises. Non, dommage, Olive. Loupé pour la pêche. Donc, il fallait trouver Blocks from Hell. Le jeu Bricks. Aussi le jeu Blackstone Alien for Gold. Et le Pingu qui avait été trouvé la semaine dernière. Alors, moi, mon souci, ça va être les points. Parce que j'ai eu plein de réponses. Alors, AJ, il avait trouvé Blackstone, Alien for Gold et Bricks. Donc déjà, je vais donner 1000 points à AJ, hein, 2 fois 500. AJ, donc ça fait 2 fois 500, ça fait 1000. Je vais me noter, tac, vos points. Les bonnes réponses suivantes. Il y avait Twinsen, ouais, qui avait trouvé le Blackstone, ouais, c'est bien. Alien of Gold. Ah, merci. J'ai cru que j'avais pas le droit d'éditer. Blackstone. Donc là, je vais lui donner. Oui, je vais lui donner 500 points. Je vais faire dans l'ordre là parce que sinon, je vais pas m'en sortir. Là, là, là. Oh, je vous ai pas mis de musique. Vous auriez pu me dire qu'il n'y avait pas de musique. C'est plus sympa quand il y a de la musique en arrière-plan. Ah, oui, je sais pas où est-ce que vous en êtes dans la canette de la coiffe. Je sais même pas c'est quoi la prochaine coiffe. Faudrait que je relise mon listing dans l'ordre. D'ailleurs, je veux pas être à jour dans la boutique. Je crois que j'ai dû oublier de mettre à jour. Faudrait que je revoie ça, tiens. Donc attendez, faut pas que je divague trop là parce que je me perds dans mes trucs. Twinsen, bah je vais lui rajouter 1000 points Twinsen parce que attends, il a trouvé donc le Blackstone, il a trouvé le Block from Hell, Block de l'enfer, et il a trouvé Bricks aussi. Et pas que je me loupe. Donc 2 fois 500 en plus 1000. C'est bon. La suite. Après Bastos. Bastos. Il a trouvé Alien et Black from Hell. Eh bien, la date, je ne sais pas corriger la date. On est le 23-04-2022.
Il a trouvé donc le Blackstone et il a trouvé le bloc from hell. Donc je vais donner 1000 points à Bambastos. Attendez, je vous l'ai juste après. Si vous adressez directement à moi. Bambastos TV. Attendez, Bambastos TV, je vais y arriver. 1000 points. C'est bon. On peut convertir les bergers en PayPal. Oh, si seulement, t'imagines la richesse. Attends, t'imagines les bergers, c'est une crypto-monnaie. Complètement pété. Tu vends du rêve là, tu ne sais Tableau à préparer. Alors, le tableau suivant. J'ai envie de le faire à la roue, même si je sais qu'on a fumé pas mal de tableaux et que je risque de la relancer plusieurs fois. J'aime bien la roue. Enfin, si je la retrouve. Je la retrouve pas, merde. Ah, elle est où la roue Je vais donc choisir un tableau de mystère de manière totalement arbitraire. La musique est un peu forte. Voilà. Je l'ai bien. Je vais vous prendre au pif, tant pis, un tableau. Attendez, je regarde dans ma liste, j'ai un nombre en tête, je ne vous le dis pas. Je fais mon vilain. Oui! Allez, je dis qu'aujourd'hui, on va se faire le tableau numéro 19. Il va arriver dans une minute à vos claviers. À vos clavirtes. Je vais d'abord regarder pour moi. Oui, tu es. Oui, là, oui! Tu peux acheter que des bergamotes en vrai avec la crypto-monnaie ouais, qui est lancée. Ça va être le numéro 19 de tableau. Alors, évidemment, je me fais le privilège d'aller dans la ligne des réponses pour voir si le tableau va être. Ouf. Je suis désabusé de mon choix du nombre. Sans déconner, dans les 5 minutes qui restent, vous pouvez trouver tous les jeux. Préparez-vous à griller la politesse à Tunsen. Ouais. J'ai vu ma liste, voilà, pour repartir sur une base neuve. Wow. Allez, je vais retirer les déjà trouvés. Ah, oh, pourquoi ai-je choisi ce nombre? Pourquoi? 3, 2, 1, 0. 5 jeux à trouver. Vous allez devenir fou. Oui, pour les moteurs de recherche, ouais, pour les malintas, ils ont proposé. Ouais. Voilà, point d'exclamation TM suivi de votre réponse. Bah oui. Eh oui, c'est celui-là. Ah là là là, c'est presque trop facile. Allez, c'est trouvé. J'accepte plus la réponse de Bubble Bubble. Oh, Edge, bien.
Bien, Tomouf. Allez, je t'accorde les deux, je vais être gentil. Ouais, trouver, c'est bien Outrun, la Ferrari Testarossa en bas. C'est bien Outrun. Ouais, je vais vous les valider. Alors, ça va presque trop vite pour moi. Tomouf, donc il a trouvé Bubble. Il a trouvé Outrun, c'est bien Tomouf. Ont été trouvés. Vincent avait trouvé aussi le Bubble. Alors, ça je vais dire, Edge avait trouvé Outrun. Merde, il faut que j'écrive bien. Oui, il avait trouvé Outrun. Je vous attribue les points juste après. Ouais, donc ça c'était bon. Ça c'est pas bon. Il y a de l'idée. Bien tout mouf. Oh là là. Il a reconnu Colonel Moutarde du Cluedo, Tomouf. Bravo. Bien joué. Très bonne observation. Bien, Tomouf. Voilà, tu as une scène qui a corrigé. C'est bien. Ah là 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 là, tu une scène qui a trouvé Ghostbuster 2, c'est le journal. C'est... J'ai laissé un mot-clé dedans, ça, il suffit de bien regarder ces données. Il reste plus qu'un cinquième jeu, un cinquième et dernier jeu que vous n'avez pas trouvé. Alors, Tomouf a trouvé Bubble, Outrun et Cluedo. Tomouf, il a 1500 points. Bien. Attendez, je vais basculer là, moi, au niveau de l'écran. Alors, cadeau pour Tomouf. Oula, la syntaxe n'est pas bonne. On a trouvé 3 réponses, donc ça fait 3 fois 500. Il faut que je les note. 500, 500. Non, tu une scène. Non. Si j'ai pas réagi, c'est que. Non, c'est pas ça. Alors, tu une scène. Tu m'avais trouvé le Bubble. Tu m'avais trouvé le Bubble. C'est bien. 500 points. Et Edge avait trouvé Outrun aussi. Et j'ai gelé des points, oui, je crois. Oui. Voilà. Bien. Bien joué. Et j'ai qui me propose. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, mon pauvre Jay. Bon bah mon cher Fun Fan, tu peux lancer ton direct. Je sais pas si tu... Si tu as déjà lancé. Apparemment non. Mince. Je suis en train de lancer mon propre signal, débile. Vas-y voir que j'ai chez toi mon cher Fun Fan. Voilà, que je vois si tu l'en files pas. Parce qu'on va filer sur du votre samedi commenté en Runaway 2. Parce qu'on va filer sur du non, votre ben, samedi commenté en Black. Bon
Voilà, je garde un œil sur partie de ton direct pour voir quand tu lances. Alors, le chat. Ouais, je vous laisse jouer un peu. Tentez votre chance. Ah, et ben merci à vous, c'était bien les copains. Là, c'était un samedi fort agréable. On avait fait le matin avec Gran Turismo 3. Puis là, on s'est fait quoi? On s'est fait, en gros, on s'est fait 3 heures de Vérétique, deuxième chapitre. Qui, à mon avis, se sera bouclé la prochaine session de jeu, quoi. Demain matin, moi, je vous retrouverai à partir de 9h ou un peu plus tard. Le temps d'aller voter, moi, de mon côté, à la première heure. Je vous retrouverai pour du Final Fantasy avec l'ami SDR. Et l'après-midi, je ferai sûrement du Vroom Vroom, toujours et encore. J'ai très envie de reprendre et de finir le WRC2, le World Rally Championship, sur PlayStation 2, où j'avais des bonus à faire, enfin des défis. Et j'enchaînerai sûrement un autre jeu Vroom Vroom derrière. Peut-être pas forcément Gran Turismo 3, j'essaie de faire tourner un peu. J'ai le World Racing que j'avais entamé aussi. On verra. Honnêtement, on verra. Ou alors, je pars sur, après le World Rally Championship 2 demain après-midi, je partirai peut-être carrément sur du Golden Axe. Pourquoi pas. Ou se faire Street Fighter 3 en difficulté moyenne. C'est possible. J'aurais peut-être même un coup de tête pour Minecraft. Allez savoir. Tous ces jeux-là sont possibles pour demain après-midi. Voilà, vous pouvez vous donner une idée. Alors, je regarde rapidement si j'ai des bonnes réponses parmi les vôtres. Non. J'ai pas de bonnes réponses là, de ce que je vois. De ce que je vois dans ma liste. J'étais en galère. Oui, tu aurais quelques détails techniques. Ok. Je te surveille, mon cher Fun Fan. Ah oui, je vois que tu es en train de lancer. Ah oui, tu essaies d'avoir la résolution. Est-ce que tu les as? Oui, tu as les résolutions, mon cher Fun Fan. C'est bien, c'est cool. Bon, bah, on file dans l'épisode commenté chez Fun Fan. Merci à vous toutes et tous d'avoir été là. C'était génial. Merci tout plein. Je sais plus, pardon, si je disais même en spéciaux. Merci à Aeroster pour son relais de chaîne. Il est trop gentil. Je m'attendais pas à ce qu'il me refasse encore un relais. Il est adorable. Mesdames et messieurs, voici votre programme. Je vais lancer mon stream à tout de suite pour ceux qui suivent le raid. Pour les autres, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Mesdames et messieurs, voici votre programme. Merci à vous toutes et toutes d'avoir été là. Et je vais faire un relais manuel, j'ai l'impression, là, parce que je provoque quand même la recharge de ma page Twitch, de l'interface, parce que je puisse retrouver FunFan. Alors, j'ai le droit de faire un raid ou pas? N'oublie pas de boire la tasse, j'ai l'impression qu'il dit ça le mec. C'est quoi cette chanson? C'est rigolo. Oh là là, je suis en galère, attendez, mon dieu. Oui, on va faire un raid, attendez, excusez-moi. Petit problème dans la coulisse. Bon bah du coup, ça va se lancer dans 90 minutes, j'allais dire. Dans 90 secondes max. Oh, une scène, il retire la purée de son clavier. Non, alors moi par contre, ça y est, je vais prendre mon tableau. Mon plateau crudité, il m'attend dans le frigo là. Je vais le picorer, c'est bien, je vais pouvoir vite guider FunFan là. Je vais m'absenter au micro que 10 minutes à peine. Le temps de me rafraîchir un peu et d'aller aux toilettes. Vous avez compris. Je vous souhaite la soirée bonne. Que ce soit là chez l'ami FunFan ou chez d'autres. Hein. Vous savez qu'il y a plein de choix sur Twitch. Comme l'ami Aeroster là qui en ce moment nous fait du Trackmania par exemple. Et encore merci à lui pour le relais de chaîne tout à l'heure. Faites-vous plaisir, c'est l'essentiel.
Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux là, vous êtes 11 spectateurs, merci, oh là là, ça devient presque ma moyenne d'avoir 10 spectateurs, j'en reviens pas, vous êtes adorables, je suis ravi que mon contenu vous plaise. Allez, zoom, go, il se fait ce raid, on y croit. Merci aux anonymes hein, qui me regardent discrètement dans l'ombre, peinard, pépouze, et ceux qui regardent les rediffs sur YouTube. Ça arrive dans la quinzaine ou dans le mois, de manière large, le temps de déposer tout ça et de faire le tri. Allez, bisous. On se retrouve chez FanFan. Bon week-end.